Bonjour à tous, voilà, ça fait une semaine et demie que je suis en confinement à la maison, au Sable d'Olonne. Le départ du Vendée Globe approche, donc forcément, les journées sont un peu particulières. Normalement, je suis plutôt avec mon équipe sur mon bateau à faire les derniers préparatifs. Et là, ça fait déjà une semaine et demie que je suis bloqué à la maison. Alors, certains pourront dire que j'étais un peu visionnaire avec ce confinement. Ouais, on va prendre sur le temps de la rigolade. Mais donc j'essaie d'occuper mon temps libre le plus possible pour pas que la pression monte trop, parce que dès que j'ai un peu de temps pour moi, en fait, ça me fait cogiter. Je commence à avoir un sommeil qui est un petit peu agité, honnêtement. Voilà, ça forcément c'est le stress qui monte, mais en même temps c'est aussi ce que je suis venu chercher. Donc je fais avec et voilà comment j'occupe mes journées. Donc là derrière moi j'ai fait un petit bureau improvisé où tous les jours je regarde mes emails, la météo. J'ai rendez-vous en visio avec beaucoup d'écoles et voilà, c'est un moment de partage assez sympa. Après, j'essaie de passer aussi du temps en visio avec mon équipe parce que pour l'instant, j'ai confié le bateau Arkéa Paprec à toute mon équipe. Ils continuent de travailler à fiabiliser le bateau pour le départ du Vendée. Voilà, c'est vraiment particulier. Vous voyez, je suis vraiment dans les derniers préparatifs. Là, j'ai préparé les lunettes de soleil. Le petit kit pour me laver, voilà, dentifrice, brosse à dents, les petits kits de bouchons d'oreilles pour me protéger du son. Donc voilà, je passe mon temps libre un petit peu à travailler et puis en fin de journée, je m'accorde une séance de sport parce que voilà, si je reste enfermé, en fait, je dors vraiment très très mal et ça me fait trop réfléchir. J'ai besoin de me dépenser un peu, voilà. Donc là, je suis en compagnie de ma fiancée et de Chiffon, mon toutou, voilà. Un chiffon. Je peux aussi vous présenter mes vêtements. Vous voyez, comme vous voyez, je suis quasi prêt, hein. Mes vêtements sont déjà à bord du bateau. J'ai pris juste les cirés pour le jour du départ. Donc voilà, j'ai un ciré qui est là, qui est prêt, avec des sous-couches. Donc une paire de chaussettes, une polaire, des sous-couches un peu comme au ski, c'est exactement pareil. Et la paire de bottes est déjà prête au pied de la chaise. Donc voilà, j'ai quelques jours d'avance, mais tous ces préparatifs me permettent de me libérer l'esprit et c'est comme ça que j'occupe mon temps pour le moment. Allez, bon courage à tous et en tout cas, prenez bien soin de vous.